scandale. Toi-même, tu viens t'asseoir. Tu fais un communiqué presse. C'est-à-dire que, comment ils appellent même ça? Que tu viens t'asseoir, ou c'est une conférence, ou c'est quoi là? Tu viens t'asseoir, tu viens commencer à parler. Tu parles de quoi? Ce qui te concerne dans ta famille. Bonjour. Hein? Ce qui te concerne dans ta famille, ce qui est là que, au lieu de cacher la saleté qu'il y a dans ta famille, ce que vous faites. Parce qu'on sait qu'il y a des pays qui sont comme ça. Ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas vivre sans ces cultes-là. Hein? Il y a des pays qui sont que le maraboutage, c'est leur chose. Hein? On sait que le maraboutage, c'est leur chose. Donc, peu importe ce qu'il va faire, avant de manger, il faut qu'il voit le marabout pour savoir si la nourriture est saine. Avant de chier, il faut qu'il sache que si son caca là, personne ne l'emploie. Avant de faire quoi que ce soit, on sait qu'ils sont comme ça. Mais tu n'as pas besoin de venir jusqu'à introduire d'autres personnes dedans, Koro, le petit Mbappé. Tu as vu comment le diable s'est retourné contre toi. C'est sûr que tu es un élément dangereux dans ta famille. Parce que tu as toujours été comme ça avec cette histoire de jalousie. Que tu jalouses tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que ton petit frère. Comme c'est lui qui a brillé. Il a plus d'argent. Hein? Il joue bien. Il est déjà à l'échelle internationale. Toi, tu arrives, tu viens faire la sorcellerie sur lui. Ok. Oh, mais Jean, le monde est en train de se gâter. Je ne sais pas si vous voyez ça comme moi. La terre est vraiment déjà sale. Hein? Je ne sais pas si vous voyez comme moi. Ça, c'est quoi cette histoire? On se plaint des amis parce qu'on se dit qu'en famille, on se sent en sécurité. Mais quand c'est ton propre frère qui vient te verser comme ça, là, mon frère, ça c'est quoi? Ce qui est sûr, c'est que tous les enfants d'un même ventre, chacun a son étoile. Si Dieu a décidé et que c'est écrit dans son livre que c'est lui qui va aller en haut, peu importe les situations qui vont arriver, même si ça vient dans la famille, ça va toujours être au grand jour. Parce que le diable ne gagne jamais devant Dieu. Il ne gagne jamais devant Dieu. Il va toujours t'exposer. Voilà ça. Il faut continuer à prier, je vous assure. Priez. Moi, je vous dis que même moi, si, quand je m'en vais pour prester quelque part, je prépare mon esprit. Je prépare, c'est-à-dire que je me mets, j'ai quelques jours de retraite spirituelle que je fais. Je me prépare, parce que ce n'est pas la blague. On ne sait plus qui est qui. Tu vas aller presser quelque part, tu ne sais pas qui t'attend là-bas devant. Tu vas aller presser quelque part, tu ne sais pas ce qui se passe. Hmm? Le diable peut sortir à tous les niveaux et je suis même encore dans le domaine du mariage. Je vous assure que préparer un mariage, c'est un combat. Préparer un mariage, c'est un combat. C'est-à-dire que toi-même d'abord, qui va se marier, toi la femme qui est consciente, tu dois savoir que tu dois te mettre en prière afin que tous ces gens qui vont venir, que tu invites avec joie et que ces gens-là reçoivent aussi cette joie, pareil. Quand ils vont venir, que tout se passe dans l'harmonie, dans la joie, c'est-à-dire que éviter le diable. Parce que le diable peut souvent faire que même à la dernière minute, là où tu ne t'attendais pas. Je pars là où Dieu m'amène. Et je lui demande toujours de me montrer ma voie. Je pars là où Dieu m'amène. Et on a souvent la force avec sa famille. Donc si ta famille déjà vient t'exposer, les familles qui se déchirent là. Hey! Pardon, faites souvent les efforts. Il n'y a pas que l'argent. L'argent ne résout pas tout. Hein. Là où je passe souvent boire là-bas, à Melun, là, à côté de maman, là. Hein? Là où je vais souvent boire à côté de maman, là, je vous assure qu'il y a un gars là-bas, un centrafricain, je ne sais pas s'il est mort aujourd'hui, vendredi dernier, parce qu'il venait souvent vendre là, à côté de la centrafricaine aussi, comme sa sœur. Il est venu se mettre là en concurrence avec elle. Mais ce gars-là, lui, ne dormait pas. Il a son propre boulot normal. Et après, il se débrouille encore de gauche à droite et tout, partout. C'est lui qui est au parc de Savigny. C'est lui qui est au parc de Melun. C'est lui qui est au parc de Machin. C'est lui qui est au parc... Et il propose encore des services pour la livraison. Hein? C'est-à-dire pour les livraisons. Imaginez-vous, il dort à quel moment? Moi, quand je suis fatigué, je dis que je suis fatigué, je prends mon temps. C'est pour ça que je me suis mise en auto-entrepreneur. Parce que tu ressens ton corps. Il y a des choses que ton corps même refuse. Ton corps t'envoie des signes. Que calme-toi.
Le gars, en allant couper la viande, il quitte là où il nous a servi. On s'est séparé là-bas. Il était vraiment vers minuit, 1 heure. On s'est séparé de là. Au lieu qu'il aille dormir, parce qu'il allait travailler le matin. Non, il fallait qu'il aille encore à un autre endroit, à Savigny. Et c'est à Savigny là-bas que quelqu'un lui demandait la viande. Le gars qui... C'est-à-dire qu'il est tombé en coupant la viande. Il est tombé en coupant la viande. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon misunga. Comme je veux trop montrer que je fais le misunga. Comme je veux trop montrer que je travaille. Comme je veux trop montrer là, comme j'étais avec vous là, que 2h du matin, 3h du matin, 1h du matin, je suis là, au taquet. Ça, c'est parce que j'ai la force, je ressens mon corps. Mais quand j'ai fini là, Dieu merci, par misunga est à côté de moi. C'est lui qui fait les livraisons. Ou ma fille, ou mon fils. La personne que j'attrape. Ou sinon, par misunga va faire. Même s'il livre jusqu'à minuit, ce qui est sûr, c'est que les gens vont manger leur nourriture. Pendant ce temps, je finis de me doucher, je dors. Je dors, aucun boulot n'est facile. Il ne trouve pas le temps pour dormir. Il ne se ménage même pas au niveau de la santé, comme on dit souvent. J'ai dit que le meilleur remède de la fatigue d'abord, le meilleur remède de la fatigue d'abord, c'est le repos. Tu dors. Tu fais la concurrence avec qui? Il est venu nous servir 2 assiettes de soya coupée là. On a fini de manger ça. On lui a payé les 20 euros. Il a porté sa voiture. Bring, il est parti ailleurs. C'est là-bas qu'il est parti tomber. Donc, il n'a même pas eu le temps de dépenser ses 20 euros. Les 20 euros que nous, on a payé le soya. Il n'a pas eu le temps de les dépenser. Et je suis sûr même que, comme il est parti avec sa voiture, il était seul, non? Il est parti avec sa voiture. Arrivé là-bas, ceux avec qui ils sont souvent et tout ça, qui boivent, les gens qui connaissent et tout ça. Comme il est tombé là, c'est les autres qui ont fini de ramasser tout cet argent. On court même souvent. Pourquoi? Pourquoi toute cette jalousie? Pourquoi toute cette haine? Pourquoi tout ça, même que quelqu'un n'arrive même pas à s'assurer comme il est d'abord? Moi, je n'ai pas le temps, hein. Je vous dis, mes gens, quand je dis que je n'ai pas, je n'ai pas. Parce que je ne vois pas avec qui je vais faire tout ça. Pourquoi? Pourquoi? Pour venir m'asseoir et montrer que j'ai. Lui là, il devait aller se marier au Mali. Il a conçu un immeuble là-bas. Il devait aller se marier avec une malienne. Hein? Ils ont eu des enfants. Regardez alors maintenant. L'autre jour, on nous a annoncé, j'étais en plein direct avec vous, on nous a annoncé qu'il faut qu'on le débranche seulement une fois parce qu'il n'y a plus rien à faire. C'est les parents qui ont dit que non, attendez encore un peu. Attendez. Hein? Les parents ont dit que non, attendez. Donc, tu finis donc de travailler tout ça, tous ces efforts-là. Un gars bien dynamique, hein? Hein? Bien dynamique. Je dis qu'à l'instant, là, pap, il coupe les soya, il vient, il pose. Il coupe, pardon, il vient, il pose. Très rapide. Mais tu viens faire ça pourquoi? Si tu n'arrives pas à te ménager derrière. Ça te coûte quoi? Tu cours derrière l'argent. 2 jours seulement que tu dis que tu te reposes. Ou 3 jours. Quand tu vois quelqu'un d'autre vendre, ça commence, le cœur commence à te faire mal. Le cœur te fait mal par rapport à quoi? Attends quand Dieu va te donner ta part. Voilà alors maintenant que, où tu es donc couché là, tous ces argents que tu as eu à travailler vendredi, hein? Quelqu'un d'autre est venu profiter. Parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein? C'est ça qu'il faut savoir. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pendant que les pompiers étaient en train d'essayer de le réanimer là, on dit que non, il faut vite l'amener. Sa voiture est restée. Les autres ont fouillé. On sait que c'est un commerçant. Les autres ont fouillé, ils sont partis avec tout. Ils sont partis avec tout. Il y a les gens aujourd'hui qui, est-ce qu'ils vont regarder que, oh non, il faut prendre l'argent pour envoyer à sa famille. Tout le monde a besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Mais il y a un argent qu'on ne peut pas manger. Franchement, ça cale ici, là. Il y a un argent qu'on ne peut pas manger. Le voilà qui se retrouve maintenant. Il va aller à la morgue directe. À la morgue, et puis après, on va envoyer le corps pour l'enterrer. Sa femme même qui devait épouser, plus rien. Plus rien. L'immeuble qu'il a conçu, ça va, ce sont les autres qui vont venir profiter. Et, vraiment, tu n'as pas de frère, tu n'as... C'est-à-dire que tu vis une vie de je ne sais pas. Regarde-moi deux frères, qu'on dit que même 20 grands frères et petits frères. Ton petit frère, lui, il est déjà en train de... Il a déjà percé, il est arrivé. Ça fait la fierté. Qui n'aime pas entendre que, oh, voilà mon grand frère là-bas. Je vois souvent ça ici avec ma mère. Quand je sors, hein? Quand je sors, ou maman quand elle sort, elle
elle me dit seulement que oh, j'ai rencontré une musulmane. Elle est venue m'embrasser, elle est venue faire ceci. Moi, je prie toujours Dieu que Seigneur, avec les détracteurs qu'il y a dehors, les jaloux et tout ça, on ne sait jamais que quelqu'un ne profite pas pour aller faire quelque chose à ma mère. Envoie toujours les gens qui sont bien, les gens qui sont saints, les gens qui ont la crainte de Dieu comme moi. Parce qu'une vieille mater comme ça là, sans défense, elle va faire comment? Elle saura comment? Quelqu'un peut venir avec le sourire comme on voit maintenant aujourd'hui. Quelqu'un sourit avec toi alors que le cœur est noir. Il ne fait que prier par tous les dieux que si je peux finir seulement avec cette personne. On est dans quel monde là? On est dans quel monde? Alors quand on se sent protégé en famille, c'est ta propre famille même qui te met dehors. Combien de fois alors quand ils vont voir ça, les détracteurs vont donc alors venir s'asseoir. Parce que le diable lui il aime ça. Le diable n'aime pas là où il y a l'amour. Là où il n'y a pas l'amour. Le diable n'aime pas ça. Il n'aime pas là où il n'y a pas l'amour. C'est-à-dire qu'il aime, pardon, là où il n'y a pas l'amour. Il aime là où il n'y a pas l'harmonie. Il aime là où il n'y a pas la sérénité. C'est ça qu'il aime. Là, il profite pour venir s'installer. Et comme ça, il opère ton propre sang qui vient s'asseoir. Faites attention, je vous assure. Quand vous voyez même qu'en famille, que tu vois même que ta soeur te dérange même déjà, mieux tu la mets de côté. Moi, je pense que c'est même mieux. Parce que quand tu veux vivre ta vie seule, que tu veux vivre tranquille, quand tu veux vivre ta vie tranquille, tu as ta chose, ta propre soeur ou ton propre frère qui vient t'en vouloir. Est-ce qu'il est? Et on va faire comment des gens qui sont dehors? Des esprits malsains qui sont dehors, qui vivotent partout là. Ceux même qui sont malins, qu'on ne les voit même pas là. On va faire comment d'eux? Alors que quand ils arrivent, ils viennent trouver une famille soudée. Moi, je prie ça tous les jours. Hein. Comme vous me voyez avec ma petite soeur là. Parce que même ma petite soeur et moi, je vous assure la vérité que c'était pareil. Hein. Mais ça venait de quelqu'un d'autre. Quand on a vu ça, bah, on a mis tout ça de côté. Voilà qu'on est tranquille. On est tranquille. Et c'est une prière. C'est une prière. D'autres qui se prennent la tête avec leurs parents. Vous êtes ici en France. Au lieu d'expliquer les choses, parfois même l'humilité. Pourquoi ne même pas avoir cette humilité que si ton frère te dépasse, prends son sac, aide-le à porter. Ça vous fait la fierté. C'est pour ça que moi, j'adore l'enfant qu'on appelle David Eto'o là. J'adore cet enfant. C'est-à-dire que comme il est d'abord dynamique, il est d'abord jovial. C'est-à-dire que quand lui fait sa chose, il danse sa chose, lui, il est seulement content. Il épaule son frère. Il met son frère dans un piédestal que... C'est-à-dire que si tu n'aimais pas Eto'o, bien que comme tu vois son petit frère, tu as seulement envie. Tu as seulement envie, David Eto'o là. L'enfant, je l'aime trop, j'aime trop le voir. Même s'il est comment, mais il a déjà montré qu'il est avec son frère Barbac. Il est comme ça avec son frère. Il est comme ça. Et c'est lui qui est derrière. Lui, il a déjà pris sa place de petit frère. Non seulement tu vois qu'il y a le respect. Il ne peut jamais, c'est-à-dire ceux qui sont même là, et c'est ça que je dis aussi, que quand quand vous éduquez vos enfants, apprenez-leur à monter leur place. Tu vois que celui-ci, il veut nuire à son frère, parle, n'hésite pas, parce que quand ils grandissent comme ça là, ça va être comme ça à la fin. Ceux qui sont toujours là à venir dévoiler et dire que, oh machin, 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 non, il ne faut pas accepter ça. Parfois, ça vient souvent des parents qui sont là que le parent, que, l'enfant qui a beaucoup plus d'argent, c'est là-bas que le parent part. Oui! L'enfant qui a beaucoup plus d'argent, c'est là-bas que le parent part. C'est lui qui est déjà le Dieu. C'est lui qui est déjà le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On n'écoute que lui. Même si c'est un enfant, cet enfant-là devient le père de la famille. Par rapport à quoi? Il doit avoir sa place, même si il a beaucoup d'argent. Il faut montrer à chaque enfant sa place. C'est très important. Parce que l'éducation que nous avons là, c'est compliqué de nos jours. C'est compliqué. Toujours à cause de l'argent. Regardez comment l'argent vient séparer une famille. Est-ce que cet enfant aura la force de pardonner à son frère? Là où nous tous sommes déjà là, on se bat. Moi, je vous dis que je sais souvent prendre ma place, mes gens. Je sais me contenter de ce que j'ai. Quand c'est bon, c'est bon. Quand ce n'est pas bon, je ne suis... C'est-à-dire que je ne me prends pas la tête. L'essentiel, c'est d'avoir même déjà mon moral et que je sois en bonne santé. C'est le plus important. C'est le plus important. Apprenez souvent à avoir vos places. Tu sais que tu as ton grand frère. Ce n'est pas parce que tu as l'argent qu'on doit t'appeler papa.
Le papa là, ça c'est un papa que parce qu'on a souvent, c'est un papa que oui, on appelle aussi papa, mais ça ne veut pas dire que étant grand frère, tu dois connaître ta place. Le grand frère, c'est celui qui est là qui protège et non qui vient te combattre. Tu donnes la main à notre ennemi dehors pour venir nous combattre encore. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est stressant à l'entendre. Quand le blanc lui-même, il voit ça comme ça, quelle est la confiance qu'il... C'est-à-dire que, vraiment, non. Nous, les Africains, je vous assure qu'on souffre ici dans ce pays. Hein. Le pays ici, là, on souffre trop. Parce que quand tu vas voir même les dénonciations qui se font même, c'est toujours entre nous. C'est toujours entre nous. Parce que tu vois déjà que ta copine est là. Elle est là en train d'avancer. Pourquoi pas toi? Parfois même tu lui tires même la main, que viens, on part. Tu l'amènes même quelque part, c'est elle qui va encore aller te détruire là-bas pour dire comment ça a fait, comment c'est monté, comment c'est descendu. Eh, abobambe, quand tu vois qu'il y en a qui sont là qui n'ont pas de papier, il y en a qui sont là qui n'arrivent pas à avancer, il y en a qui sont là, leur vie est bloquée. C'est à cause des situations de ce genre. C'est à cause de ce genre de situation. C'est pas possible. C'est pas possible. On va faire confiance à qui? On va faire confiance à qui? Ça, c'est terrible, ça. Et le gars vient s'asseoir. Il parle comme si... Il n'est pas différent de la femme qui a fini de découper sa belle-sœur. Hein? Hein? Il n'est pas différent de la femme... Oui, la même histoire d'Adebayo. Il n'est pas différent de la femme qui a fini de découper au Cameroun sa belle-sœur. Mettre dans la valise. Quand on lui posait des questions, elle parle comme si... C'est-à-dire qu'elle relate les faits. Et lui aussi. Oui, je vais tout révéler, je vais tout dire, je vais... Il l'en... Vraiment, il l'en. On a déjà peur de tout. On a déjà peur de tout. Quand ça ne va pas, limite-toi ton niveau. Vraiment. Il faut prendre la gloire que Dieu te donne. Et prier. C'est très important la prière, je vous assure. C'est très important la prière. La prière vous épargne de beaucoup de choses. La prière vous épargne. Parce que quand tu es propre dans ton cœur, en sachant que tu ne dois pas faire du mal à l'autre, donc il ne faut pas que ce mal-là te revienne. D'accord? Dieu va même faire en sorte qu'il va détourner ce mal-là comme ça. Là. Ça ne va jamais t'atteindre. Toi-même, tu vas voir seulement Somme 92, ou c'est 90 ou 92. Tu verras seulement la rétribution des méchants, de tes propres yeux. Hein? Tu verras la rétribution des méchants, parce que si toi-même, tu es propre, tu es nickel, tu n'as rien à te reprocher. Ah, le monde est devenu compliqué. Le monde est devenu vraiment compliqué. Il y a un autre fait aussi que je voulais parler là, parce que je suis souvent là comme ça, moi, ma chose, ça vient souvent me trouver. Il faudra me laisser tranquille. Moi, je ne suis pas sur la toile ici pour faire la concurrence avec qui que ce soit. Je vous dis ça. Somme 91. Merci beaucoup, Myriam. Je ne suis pas là pour faire la concurrence avec quelqu'un ici sur la toile. La toile, j'ai toujours dit, c'est pour tout le monde. Quand tu as ta chance que ta notoriété prend, vole de ça avec. Beaucoup ont choisi ici là que pour avoir une visibilité, il faut clasher. Beaucoup ont choisi ici que pour avoir une visibilité, il faut apporter sa nudité. Beaucoup ont choisi ici, par-ci, par-là. Moi, je suis venu avec ma nourriture. Donc, si ma nourriture mord, c'est pour moi. Je ne fais pas de ça une concurrence. Non, je ne suis pas la seule qui sait cuisiner. Je ne suis pas la seule qui fait service traiteur. Je ne suis pas là. J'ai mes principes. Mes principes à moi, comme je vous dis là, mes gens. Je sais voler moi-même de mes propres ailes. Je sais me chercher. Quand je vois que je ne suis pas venu là que à tout prix, que comme je dois, je presse, il faut à tout prix que j'ai l'argent pour venir montrer que ceci, cela. Moi, je suis dans mon concept. Mon concept, quand j'ai commencé ici là, c'était de préparer à manger. Je montre comment on mange, comment on prépare. Voilà. Parce que je savais que à la fin, je vais proposer mes services. Il faut déjà que je montre comment moi-même je cuisine. C'est parti du fait que on s'assoit dans les restaurants, on commande. On ne sait pas comment on fait dans la cuisine derrière. Les gens ont souvent besoin de se rassurer. Les gens ont besoin de savoir comment est-ce qu'on cuisine cette nourriture. Et là, je suis venu avec mon concept.
J'ai développé, c'est là où je suis parti, côté traiteur. Parce que ce que je parle même, là où ma base même, mon option que j'ai eu à prendre, c'est là où je fais mon misunga. Donc le misunga, c'est un plat qui est compliqué. Un plat vraiment compliqué. Parce que tu peux, il faut savoir nettoyer ça. C'est un plat fragile. Il faut savoir le cuisiner. Et donc, j'ai hérité de cette initiation-là. C'est un héritage. Et je ne discute avec personne. Parce que tu as beau même montrer à quelqu'un, la personne ne saura pas faire. C'est un héritage. Donc, pour moi, c'est là-dedans, c'est inné. Je sais faire à manger. Je ne discute avec personne. Celui qui vient faire à manger comme moi, il va faire. Je devais aller prester là-bas à Sainte. Chez la Gabonaise. Ça n'a pas été. Les clauses du contrat n'ont pas été respectées. C'est de mon droit de dire oui ou de dire non. Et quand je négocie mon contrat, vous êtes où là-dedans? Vous faites quoi dans mon contrat? Qu'est-ce que vous venez fouiner dans ma chatte? Dis-moi de me zanazout. Vous venez chercher quoi dans ma chatte? Quand cet agent arrive, je fais de ça ce que je veux. Ça dit que vous êtes là sur la toile. Vous attendez que quelque chose m'arrive. Comme ça, vous allez venir m'asseoir. La grande gueule que j'ai, c'est parce que je me suis souvent défendue. Et dans mon couloir. Dans mon couloir. Toi, Coco Lago, tu attendais que, comme tu as, on est venu, un faux profil est venu écrire sur le mur que on m'a donné, on s'est entendu en 6 000 et que 4 000 a fait que on m'a remis et tout. Tu cherches quoi, à savoir quoi. Tes mamies sont où? Tu n'as toujours pas retrouvé tes mamies jusqu'à présent. Ce sont mes contrats maintenant que tu viens t'asseoir. Je suis libre d'aller prester là où je veux. Je suis libre d'aller prester là où je veux. Et si les clauses du contrat m'arrangent. Donc toi, tu as entendu que quelqu'un vient écrire, tu es là pour scruter mes pages, ce que j'écris ou ce que je mets dedans. Peut-être que tu ne peux pas me mettre dans ta neuvaine. Hein? Ne me mets pas dans ta neuvaine. Parce que la dernière fois, c'est parce que tu m'avais insulté. Ne me mets pas dedans. Tu es là, tu attends voir Olympia. Donc reste bien sur ma page. Tu attends de voir la moindre incartade qui va arriver pour venir t'asseoir sur ça. Salma, anima salwa. Salma, anima salwa. J'ai-tu venu sur toi parce que tu m'avais insulté? Et c'était pas la première fois. Donc la deuxième fois, sache que je te calculais déjà. C'est la famille qui a demandé que stop. Et comme j'ai du respect pour la famille, parce que moi je connais la valeur de la famille. Voilà ça que je bagarre tous les jours. Pour mes enfants, pour leur donner de quoi à manger. J'en ai rien à foutre, que j'investisse ou pas. Ça ne regarde personne. Mais moi, je me bats pour ma famille, parce que je sors d'une famille noble, et j'aimerais que la mienne, que j'ai construite aujourd'hui là, qu'elle soit pareille, avec le respect qui suit. Je ne parle pas prester. Ça te regarde en quoi? Hein? Un faux profil vient écrire. Ce qui se passe. Hein? Et toi, tu viens porter ça, tu vas mettre sur ton mur. Par rapport à quoi? Ça va te servir à quoi? Non, attends, sois là. On est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Attends, sois là. Réfléchis comment faire pour tes marmites et pour ton business. Laisse-moi dans mon business. Cet argent-là, on va le partager ensemble. Qu'est-ce que tu viens fouiner? Tu n'attends que ça. Venez connaître la couleur de mon string. Moi, je ne porte pas de string pour te dire que tu n'auras jamais ça. Tu n'auras jamais le scandale que tu as besoin. Parce que ce n'est que ta prière maintenant tous les jours que, oh, il faut que Doudou fasse telle ou telle chose. Pour que ça arrive dans Facebook, tu récupères ça, tu t'assois sur ça. Toi et moi, on a un problème. Hmm? Toi et moi, on a un problème. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Et je m'en fiche. Tu m'avais donné les conseils, moi aussi j'étais retourné les mêmes conseils. Que quitte dans ça. Tu es venu te plaindre. Si tu étais avec quelqu'un que ça ne marche plus, pourquoi tu reviens encore t'asseoir sur ça jusqu'à tu fais toute une Bible alors que la personne est en train d'avancer, elle ne te calcule même pas. Tu as vu comment Facebook est? Hein? Tu as vu comment Facebook est? Tout le monde t'a tourné le dos.
Fais ta vie. Cherche-toi. Hein? Tu crois que les mains peuvent chômer quand tu as un savoir-faire? Pourquoi tu ne recommences pas à faire tes cuisines? Pourquoi tu ne recommences pas à faire ce que tu as envie de faire? C'est moi que tu viens chercher. Ta sorcellerie, là, je te dis que c'est chez moi qu'on avait mis ça. Comme tu viens de Nanga, moi-même, je suis de Nanga. On a pris ça, on m'a donné aussi. Donc, tu ne peux pas. Évite-moi. Laisse-moi mes choses. Tu as dit que je n'entre plus dans ce qui te concerne. N'entre plus aussi dans ce qui me concerne. Ça ne te regarde pas. Si j'ai été pour prester ou pas. Si j'ai fait un contrat là-bas ou pas. Ça ne te regarde pas. Ne viens plus prendre les choses dans mon mur pour amener là-bas. Ne viens plus prendre. Ça ne te regarde pas. Je te dis que je suis resté tranquille parce que c'est la famille. Hein. Maman Awa m'a appelé. Hein. Et on s'est parlé au téléphone. Hein. Toi-même, tu es passé aux aveux. Hein. Donc, si je suis resté tranquille, c'est pas parce que j'avais peur de toi. Parce que j'ai le respect de la famille. Donc, respecte-moi aussi comme je te respecte. Moi, j'ai ignoré. Je ne suis plus là-dedans. Tu ne peux pas m'empêcher d'aller sur la toile. Aller là où commenter, là où j'ai envie de commenter. Ce n'est pas toi qui vas venir me dire avec qui je marche. Comme toi, tu mélanges tout dans ta tête. Tu es venu pour un but dans les réseaux sociaux. Reste sur ton but là. Ne me mets pas là-dedans. Ne me mélange pas. Ne me mélange pas. Fais tes choses, je fais les miennes. Si j'ai un contrat que ça a raté, ce n'est pas ton problème. N'attends pas que je chie pour venir sentir mon odeur. N'attends pas ça et aller bavarder partout. Tu devrais être fier. Si c'est maintenant, alors toi qui m'a donné les conseils. Hein? Et que je suis en train d'utiliser ces conseils-là. Tu devrais être fier, mais connaissant ton gros cœur là. Si je n'avais pas déclaré mon truc et tout, tu serais capable aujourd'hui de venir m'afficher. Parce que tu es ce genre de personne-là. Donc laisse-moi dans mon coin. Je suis dans mon coin. Je me balade où je veux. Quand moi-même je sens déjà que j'ai parlé à un genre là-bas, je me retire. C'est mon humilité à moi. Ce n'est pas quelqu'un qui me dicte. D'accord? Ce n'est pas quelqu'un qui me dicte. Donc il faut me laisser tranquille. Laisse-moi avec mes grosses fesses que tu as utilisées. Laisse-moi avec mon gros corps que tu as insulté ici là. Toi, tu es trop mince. Tu es trop mince. Tout te va bien. Mais tu es toujours là en train d'aboyer. Depuis que tu as aboyé là, tes mamies ne viennent pas. Maintenant, c'est moi que tu viens de la provoquer. Tu viens prendre un message qu'un faux profil est venu cogner la tête, prêcher le faux pour avoir le vrai. Donc, tu attendais que je vais venir m'asseoir pour venir m'expliquer. Je n'expose pas mes clients. Tu comprends? Que ça se passe mal ou bien, je n'expose pas mes clients. Sache-le, je suis comme un médecin. Moi, si. Oui, j'ai le droit de garder la confidentialité de mes clients. Que ce soit bon ou mauvais. Ça se trouve, c'est même toi-même qui es venu là-dedans. Tu viens parler. Et tu portes ça pour aller mettre ça sur ton mur là-bas. Où donc, mamie? Que loué, ma yiki. Que loué. Oui. On m'a fait savoir que tu étais ma tante. Non, la qualité de tante là, mais moi, je ne veux pas. Que le va. Papa, me quoi bien. Laisse-moi faire mes choses tranquilles. Oh, tu étais la première à faire le misunga. Et pourquoi tu ne continues pas là-dedans? Toi, tu apprends tout à tout le monde. Mais bizarrement, toi, tu es toujours au même niveau en train de demander les mamies d'accord. Donc, il faut me laisser tranquille. Ça, mamie. Hein? Les réseaux sociaux, là, vous prenez toujours ça comme si c'était la justice. Tu crois que je ne suis pas capable de clasher? Je n'ai pas envie de te clasher. Continue ton chemin, continue ta route. Continue à demander tes mamies. Laisse-moi tranquille. Ce n'est pas moi qui ai pris tes mamies. Quand tu commençais tes choses avec les diplômes, je n'étais pas là. Quand tu faisais ça avec Lady Ponche, j'étais pas là. Faut me laisser. N'étais pas dans votre amitié. Que j'aille à Olympia ou pas. C'est toi qui devrais m'encourager aujourd'hui en disant que petite soeur, vas-y. Puisque tu connais. Hein? Mais c'est toi qui es là dans la campagne de sabotage. Hein? Parce que c'est la famille. Quelle famille? Dis donc, Flocan ne veut pas la qualité de femme comme toi. Comme ma miss. Il a dit que si, que ce soit à l'Olympia ou pas. Comme bien ma, comme minime, comme azout. Continue à demander tes mamites. Je n'étais pas là. Ma part est stockée. Ça attend les prestations.
Putain, mamie, hein. Comme ça que vous êtes, vous balavez avec la sorcellerie, là, le aide-moi à détester. Tu crées les faux profits, tu appelles les gens, venez faire ceci, venez faire cela. Parce que tu entends que, oh, machin, tu veux seulement la chute de tout le monde. Tu veux la chute de tout le monde. Tout le monde peut être comme toi, hein. Tout le monde peut être comme toi, donc il faut me laisser tranquille. Comme ça que vous êtes. Moi, je ne provoque pas. Il ne faut pas venir me provoquer. La fille en question, même, je parle avec elle. Hein? La fille en question, je parle avec elle. Je suis pas allée prester à son mariage parce que j'ai mes raisons. Et puis quoi? Et puis quoi? Ouais, qu'elle veut venir m'asseoir ici pour venir dire que oh, ça a fait que c'est haut, c'est monté, c'est descendu. Vous voulez tellement à tout prix compter les poids de mes fesses. Vous voulez connaître la couleur de mon signe. Je vous dis que je ne porte pas de signe, je ne porte pas de calais. Oui, je suis une femme propre. Je ne porte plus. C'est de mon droit. J'ai mes raisons. Mais mes fesses ne coulent pas. Si vous attendez voir la saleté qui sort de mes fesses, ça ne coule pas. Je peux même vous montrer ça. Mais ne sans doute. Mais ne sans doute. Pour dire que je suis quelqu'un qui est juste. Même dans mon propre corps. Même dans mon propre corps. D'accord? Je suis quelqu'un de juste. Parce que j'évite de faire des choses que... Moi, je suis déjà une société. Donc, je ne vais pas me permettre de faire certaines choses. Prendre d'abord l'affinité et mettre de côté. Ça, c'est les premières règles qu'on m'a apprises. Là-dedans. Et ce n'est pas toi qui m'as appris ça. Les premières règles, ça, c'est mon mari qui m'a appris ça. Que si tu veux bien travailler, un, tu oublies la famille. Deux, tu mets les affinités de côté. Hein? Faut mettre les affinités de côté. D'accord? Voilà. Et comme ça, tu vas bien travailler. Donc, tu reviens quand tu viens prendre ce qui est. Tu scrutes mon. Reste branché, hein. Mets bien tes lampadaires de sorcellerie, là. Tu vas voir quand même. Je vais m'enrouler par terre sur le podium de l'Olympia. Je vais m'enrouler avec Lady Ponce. Elle ne va rien comprendre. Oui. Parce que c'est sur ma page que tu vas venir voir. Et tu vas aller partout, partout. Tu vas envoyer tes antennes comme tu sais bien opérer, là. Autant, mamion, laisse-moi. Que ça se passe ou pas, ça ne te regarde pas. Parce que tu n'es que là, tu n'évoques la chute des gens. Donc, laisse-moi tranquille dans mon coin. Tu as compris? Laisse-moi tranquille. Je ne t'ai rien demandé. Tu laves tout le monde ici, là. Si j'étais vraiment ta nièce que tu respectais, tu n'allais pas te permettre. C'est vous les gens, là. Les frères de Pogba. C'est vous. Vous êtes là à venir étaler vos familles. Donc, tu crois que si elle reste tranquille, c'est parce que ma nia Ombarga. Embarque, ouais. Tu es une femme sans parole. Tu n'aimes pas voir les autres évoluer. C'est vous les pourbas là. Et le, c'est le Mathias là. C'est les vous là, comme ça là. Les sorciers. Vous êtes seulement là, vous n'aimez pas voir les autres avancer. Vous n'aimez jamais voir les autres bien. Vous n'aimez jamais voir les autres avancer. Dès que quelqu'un évolue, déjà, tu pas t'asseoir, tu allumes tes bougies diaboliques là. Fais en sorte, tu évoques ton Satan. Fais en sorte qu'elle n'aille pas. Fais en sorte que je suis Yari. Fais en sorte que machin, machin. Elle a trop d'argent. C'est elle qu'on voit seulement. Les missions là de ça. T'arrives à manger. Constipé éternel. Parce que tu es là, tu penses seulement aux mauvaises choses. Moi, je ne te clash pas. Je te dis seulement que laisse-moi tranquille. Laisse-moi dans mon coin. Ça ne te regarde pas. Quand ils gagnent mes contrats, ce n'est pas toi qui me les envoie. Et même si tu m'envoies ce que c'est toi, je refuse. Je refuse. Ça, c'est les vous là. Tu es capable de faire que quelqu'un finisse de faire son travail bien, bien, bien. Tu viens mettre le diable parce que tu veux que tout le monde soit sale comme toi. Donc, mamion. Quand je suis resté tranquille à cause du respect de la famille. Moi, je suis comme ça. Ah oui. Et beaucoup m'en ont voulu à cause de ça. Il ne fallait pas. Donc, si tu reviens encore, tu auras mis en macaroua. Donc, ma mion. La Vierge Marie que tu pries là, elle va te frapper. Elle va te frapper. Pas les bougies que tu étais parti allumer à Lourdes là. Hein. Et tout ligné macarona, il vous frappe. Ah, il vous frappe. Ou quoi, vos belles bougies, moi, on a voyé là, nous bougies, mais là, je pue ma sou. Comme tu es là, voilà, la bougie si très consume. J'appelle tous les saints, j'appelle tous les esprits. Voilà, voilà,
J'appelle tous les esprits. J'appelle ceci. J'appelle cela. Tu vois, va appeler tes esprits là pour aller chercher tes mamites. Ce n'est pas moi qui te dois les mamites. Et je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Vous êtes comme ça. Donc, ça fait à dire. On va y arriver. Quand j'ai acheté mon billet, j'ai dit que Lady pense qu'elle me dise que bien que faire le musulman ou pas. Mais il est à Ouara, oui. Je serai avec Ouara. Et j'ai déjà mon billet. Oui, oui, oui. Et j'ai pris VIP. Parce que je suis VIP. Ce n'est pas Lady Ponce qui invite. Tu pars au concert si tu aimes Lady Ponce. Si tu veux écouter le Bikushi. Oui, oui, oui. Ce n'est pas Lady Ponce qui invite. Hein. Elle n'oblige pas les gens à prendre les tickets. Hein. D'accord? Et je n'ai pas pris mon ticket par rapport à toi. Hein. Moi, j'aime d'abord Lady. L'amour me tient. Quand je chantais la chanson là, je savais que tu avais un problème avec Lady. Hein? Est-ce que je connaissais vos problèmes? Cherchez ça au pays. Toutes mes misungettes savent que Tata Doudou, elle aime Lady. La chanson de Mambombo et moi. Je vais aller danser ça. Hein? Personne n'est pas fait sur terre. Un petit samba y'a maintenant là. Oh, j'ai trop de défauts et de qualités. Accepte-moi comme je suis. Bébé, assure-moi, maniboine ou ama. Malgré mes défauts, je ne suis pas parfaite, maman. Un petit samba y'a maintenant là. Tu as compris? Je ne suis pas parfaite. Hein? C'est ça que pas écouter moi. Oui, 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 oui. Parce que moi, je suis dans la culture. Moi, j'aime. Je suis dans la culture. Je suis dans le social. J'adore ça. Et mon boulot même me permet d'aller partout où j'ai envie d'aller. Mon travail. Il faut d'abord être social. Il faut aimer la culture. Donc, ce n'est pas par rapport à toi. Je ne fais aucune concurrence avec toi, ma chère tante. D'accord? Donc, laisse-moi tranquille. Arrête de venir fouiner. Ne ressemble pas à la tante qui est là pour faire du mal à ses neveux et nièces. Les tantes qui sont là à faire du mal à leurs neveux. Les tantes qui sont là à faire du mal à leurs nièces. À taper toujours leurs neveux et nièces. Ce sont elles qui font tout. Pour dire après que quand celle-là n'a pas réussi. Pour dire après que c'est moi, c'est mon travail, c'est le travail. Quel travail, faut me laisser. Laisse-moi tranquille. Je t'ai dit que je t'ai laissé parce que notre mère a dit qu'un mais qui bat ou non, non, ou tard me dit ne fais pas me provoquer. Comme on t'a dit que ta sorcellerie là c'est chez moi, faut me laisser. Continue à demander tes mamies. Je vais à l'Olympia. Si la star me dit que bien faire le musunga, je vais aller faire. C'est une prestation. D'accord? Ce n'est pas par rapport à Coco que je vais aller faire. Je m'en vais parce qu'on m'a sollicité. Voilà. Pas parce qu'on a pitié de moi. Mais c'est par rapport à mon travail. Et c'est comme ça que je dis toujours à tout le monde, tous ceux qui viennent vers moi là, sollicitez-moi par rapport à mon travail. Parce que vous voulez un travail propre. Vous voulez un travail honnête, propre, juste. Voilà. C'est ça. Toi, tu es dans la présentation et tout ça là. Reste dans ta présentation. Moi, je ne connais pas. Si je pars, je vais aller présenter à mon niveau ce que je sais faire. Et ça, c'est ce que ça soit bon. Mais pas par rapport à toi. D'accord? Tante sorcière. Tata, tata. Tata de quoi? Tata et vous? La tata est là pour encadrer. Hein? Soit la tata qui était au début qui donnait des bons conseils. Pas celle-là qui fait une vie avec toi et dans le cœur est noir. Elle allume les bougies pour ses nièces. Pour qu'on ne les voit pas briller. Ça devait être ta fierté. Hein? De dire que voilà quand même. Ça devait être ta fierté. Toma. Comme ça que vous êtes. Vous aimez que tout arrive sur les réseaux sociaux. Tout. On était esquivé. Faites que me chercher.
Quand tu veux savoir ce qui se passe dans ma vie, laisse-moi tranquille. C'est toi, on dit souvent que la mort de quelqu'un ne vient pas loin. Et vous là, les matières borba ou ces borba là, c'est vous à vouloir du mal à son prochain. C'est vous. Vous êtes là à vouloir du mal aux gens. Moi, je nettoie ma gazinière. Je n'ai rien à faire. J'ai rendez-vous là à 14h. Je vais m'apprêter. Il faut me donner l'heure, mes gens. Il est quelle heure? 13h30. Encore 2 minutes avec vous. Non. Non, non. Mes gens, je vous laisse. Hein. On va encore parler après. Je n'ai pas le temps de faire ma gazinière là. Mais je vais tremper ça. Je ne dois pas louper ce rendez-vous là. On m'a arraché la dent hier. Donc hier, je n'avais pas le droit de trop parler. Je n'avais pas le droit de... Je n'avais pas le droit de trop parler. Je n'avais pas le droit de me rincer la bouche. Voilà. Donc là, je m'avais fait le nécessaire. C'est ça mon petit nécessaire. Oui, je manque, ce n'est pas long. C'est juste là au centre. Il ne faut jamais arriver en retard ici là. Nous les noirs, nous sommes comme ça. Quand on dit d'être à l'heure, on te donne l'heure, toi tu arrives à 13h, à 14h, à 15h même. Donc comme c'est là au centre, j'ai juste 10 minutes le temps de me débarbouiller. Je n'ai pas besoin d'avoir les rouges à lèvres et autres. Ma bouche est malade. Ma bouche n'est pas malade pour parler. Il n'y a qu'une seule personne qui m'a envoyé 50 étoiles. Vraiment, ça commence à être dur ici dehors. S'il faut faire les directs chaque temps, vraiment, c'est fatigant, mes gens. Je vous dis que même l'argent, là, tu cherches ça même trop, tu finis par laisser. Tu cherches trop l'argent, là, tu finis par mourir et laisser. Voilà le centrafricain, là. Peut-être qu'on a finalement dit qu'il faut débrancher. Peut-être qu'on a finalement dit que ça ne vaut pas la peine, il faut débrancher. Le centrafricain, il cherchait l'argent en coupant ses soya. Après avoir vendu. Moi, quand ça ne va pas, il me repose. Quand je n'ai pas l'argent, je n'ai pas besoin de venir vous montrer ici que oh, tata, doudou, fouga, fouga. Hey, vous allez me rencontrer, je suis en babou, je suis en jean, je suis en. Ce qui est sûr, c'est que mon gros popotin, si. Le popotin, si, qui ne porte plus le carré. Hein? Mon gros popotin, si. Le pantalon entre encore dedans. Même le string. C'est un choix. Il dit que je ne porte pas le string. C'est pour moi. Mais vous voulez à tout prix connaître ce qui se passe dans mon string. Vous voyez, non? Je vis avec des principes. D'accord? Je vis avec des principes. C'est pour ça que vous n'allez pas voir mon caleçon dehors. Quand je vois cette chose-ci, hey! Maman, si ça tombe comme ça un jour, comment ça va se passer? Ça veut dire que j'ai les vraies misungettes. Mettez-vous les cœurs, les misungettes. J'ai les vraies misungettes. Oui, les gens qui connaissent la relation humaine. C'est ça qui est le plus important. D'accord? Donc, je vous aime, je vous embrasse. Je vais revenir plus tard. Espérons que mon rendez-vous se passe bien. Gros bisous, hein. Bye bye. Je m'en vais laver mes fesses. Mes fesses et tout. D'accord?